Dans cette vidéo introductive, on va essayer de définir ce qu'est une carte et ce qu'il ne l'est pas. Exercice difficile puisqu'a priori tout le monde sait ce qu'est une carte, mais quand vient le moment de trouver une définition claire et inclusive, bah ça devient plus compliqué. Si vous pensez qu'une carte est simplement une représentation de la Terre vue du ciel, dessinée sur un support papier et quelque peu annotée, bah vous manquez pas mal de choses. Donc on va tenter de répondre à cette question à travers une série d'exemples que j'aime bien. Exemples pour la plupart tous un peu tendancieux et tirés par les cheveux, mais il faut bien ça pour tenter de dessiner les frontières de ce qu'est une cartographie. Donc j'ai découpé ça en plusieurs chapitres ou catégories que vous voyez ici à l'écran. Je ne vais pas les détailler, mais on va les voir une par une. Alors, est-ce qu'une carte est une vue de la Terre vue du ciel? On commence ici avec un exemple de Marco Tibero, où à première vue, il s'agit plus de ce qu'on appellerait une vue aérienne que d'une cartographie. Et en vrai, c'en est une de vue aérienne. Alors, est-ce qu'une vue aérienne est une carte? Parce que, premièrement, c'est sans doute un peu de la triche, parce que c'est un peu facile, comme une photo est plus simple à réaliser qu'une belle peinture, par exemple, et que ça pose la question assez large de la subjectivité d'une photographie, tout comme on se demandait encore il n'y a pas si longtemps si les photographes étaient de vrais artistes, tellement il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Sauf que là, Marco Tibero choisit de montrer des camps de réfugiés, ici en Afrique je crois, donc un choix et un cadrage hautement subjectif, pour répondre à la question de la subjectivité de l'art qu'on se posait juste avant, et que plus techniquement ou prosaïquement, il s'agit ici de cartes de villes spontanées ou informelles pour laquelle on n'a pas d'autres informations, ni plans, ni cartes. Ces vues photographiques sont donc en quelque sorte les seules cartographies que l'on possède. Bon, on verra un peu en détail les liens historiques qu'entretiennent les vues aériennes satellites avec la cartographie dans une prochaine vidéo. On passe à un deuxième exemple. Ok pour les vues aériennes, c'était plutôt une question facile finalement. Mais est-ce qu'une carte est forcément une vue orthogonale du ciel, comme un territoire que l'on regarderait très haut vu d'un satellite? Bah, ici, deux exemples de vues, reprenant certains codes de la cartographie, avec à gauche un exemple qui pourrait également être une photographie vue d'avion, reprenant encore une fois, désolé, la question de l'objectivité qu'on se posait juste avant, mais il s'agit d'une vue, entre guillemets, fabriquée, où le relief a été largement exagéré pour mieux le voir. Donc, on n'est pas là dans une simple photographie. Et à droite, une autre vue d'avion. Ici, on ne peut pas se tromper, on voit les ailes. Sauf qu'on voit au sol ce qui ressemble et qu'on reconnaît comme des lignes de transport en commun. Et qu'on a l'habitude de voir plutôt à plat sur une carte. À plat ou verticalement. Bon, je ne m'étendrai pas davantage sur la question de l'orthogonalité ou non d'une cartographie. Si ce n'est de dire que les humains n'ont pas attendu l'invention de l'avion ou des satellites pour faire ce genre de carte, avec notamment ici à gauche une très vieille carte japonaise avec ce petit effet de perspective, et à droite une autre vue qui reprend également certains codes de la cartographie, comme les noms de pays et les limites administratives. Troisièmement, est-ce qu'une cartographie montre fatalement le nord en haut et le sud en bas? Bah là, c'est une question extrêmement facile à répondre. Bien sûr que non. Ici, deux exemples, avec à gauche une carte représentant l'hémisphère sud en haut, un genre de carte que vous avez sans doute déjà vue sur Internet. Et plus techniquement, à droite, une carte où il est difficile de mettre le nord en haut, puisqu'à partir de ce point précis du pôle sud, le nord part dans toutes les directions. Donc, impossible à mettre en haut. Petit spécial combo où je n'ai pas grand-chose vraiment à dire dessus, un exemple de carte non orthogonale et non orientée vers le nord, ici l'Italie que vous avez sans doute reconnue, même tête en bas et vue du ciel. Deuxième code cartographique extrêmement facile à déconstruire, celui du centre, du point zéro des cartographies. Ici donc une vue du monde assez classique pour des Européens, un point de vue qui est centré ici sur le zéro des fuseaux horaires. Vous savez sans doute qu'avant l'invention du temps universel, tout le monde, se repérant avec le soleil, basiquement notait midi, le moment de la journée où le soleil est le plus haut dans le ciel, et du coup, tout le monde avait une heure différente aux différents points du globe.
Ce qui a commencé à devenir assez problématique avec l'invention du train. Donc des gens ont donc décidé d'un temps universel, dont le temps zéro, si on peut dire ça comme ça, passerait par un observatoire astronomique à Londres, le nom de cet observatoire, Greenwich. Ce qui va donner le nom au méridien qui passe par ce point, et qui va donc donner, si ce n'est le point zéro, du moins l'axe des X, zéro, qu'on nomme longitude en cartographie. Et donc, quelque part au croisement de ce méridien et de l'équateur, on va trouver un point zéro. Bon, il y aurait pas mal de funny facts à raconter sur cette carte des fuseaux horaires, notamment sur ce qui se passe par ici dans l'océan Pacifique, mais bon, c'est pas le sujet de ce point-là. Le sujet qui était le centre, le point zéro d'une cartographie. Et il est assez évident que chacun met le centre de ses préoccupations au milieu de sa carte. Comme ici à gauche, une carte canadienne, avec le Canada au milieu. Et ici à droite, une plus vieille carte japonaise, avec le Japon au milieu. Encore un petit point technique, le dernier. On a la vue orthogonale, on a le point zéro. Maintenant, est-ce que les cartes sont des représentations de ce qui se passe à la surface du globe, avec des vraies proportions, des vraies tailles, une vraie géométrie, des vrais angles et des vraies distances? Ben non, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas. Aucune carte, ou du moins aucune carte plane, ne peut faire ça. On ne peut à la fois représenter la bonne géométrie de quelque chose, qui se situe à la surface d'un globe, donc d'une sphère, et ça, on en parlera aussi dans la prochaine vidéo sur les systèmes de projection. Mais en gros, dans cette vue du monde qu'on a l'habitude de voir, si les méridiens, ces petites lignes verticales, sont répartis équitablement, avec une même distance entre chaque, les parallèles, ces lignes horizontales, ici, elles s'écartent de plus en plus à mesure que l'on se rapproche des pôles, nord ou sud. Si bien que les pays qui se situent au niveau où ça s'écarte, bah, paraissent plus grands que ceux qui se situent au niveau de l'équateur et des tropiques. Ce qui fait que, par exemple, le Groenland, sur cette carte, paraît au moins aussi grand que l'Afrique, alors que, si on prend les surfaces réelles, celles que l'on peut mesurer sur le terrain, on peut faire rentrer dans l'Afrique, les États-Unis, la Chine, l'Inde et une bonne partie de l'Europe simultanément. Et que le Groenland, une fois ramené à sa superficie réelle, n'est guère plus grand que la France. Voilà une autre carte où l'on peut voir une superposition des deux, la taille qu'on a l'habitude de voir contre la taille réelle. Ces déformations sont surtout visibles à une échelle plutôt globale, comme ces exemples de cartes du monde que je vous montre, mais à une échelle plus locale, ces déformations sont pour certaines un peu moins perceptibles. Mais de toute façon, outre ces précisions techniques sur les déformations des projections cartographiques, on n'a jamais dit non plus qu'une cartographie devait représenter avec une précision objective le territoire qu'elle décrit. On verra certains exemples de cartographie où cette prétendue précision laisse à désirer, soit parce qu'on n'en a pas forcément besoin, soit parce que le cartographe aura sciemment choisi cette représentation. Mais on peut également parler de cartographie dont la nature même est de déformer les territoires. Ici, une visualisation de l'aspiration du carbone par les arbres à différents moments de l'année. On appelle ça un cartogramme. Si c'est pas clair, c'est pas très grave, j'expliquerai tout ça dans une vidéo suivante. Passons à un autre grand chapitre sur le cadrage, le zoom et le cadrage, où on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Alors, est-ce qu'une carte représente une petite zone de la surface du globe? Ben non, pas forcément. Je vous présente ici à droite une carte de notre système solaire, et à gauche, la plus grande carte qui puisse exister, la carte de l'univers. Bon, on ne rentre pas dans le débat de l'expansion de l'univers, ni de ce qui pourrait se passer au-delà de ce qu'on arrive à voir, mais c'est donc potentiellement la plus grande carte, ou du moins la carte qui représente la plus grande surface que l'on connaisse. Et à l'inverse, est-ce qu'une carte représente forcément une grande zone? Bon, j'aurais pu trouver des exemples atomiques, comme ici une vue d'un atome d'or de 8 nanomètres de large, où l'on retrouve, comme sur une cartographie, une petite échelle graphique. Mais alors, où s'arrête, à quelle échelle commence et s'arrête la cartographie?
Ça, c'est une bonne question. Et sans aller dans des exemples aussi extrêmes, deux autres vues avec à gauche une carte du Mont-Saint-Michel, une sorte de tout petit village sur un caillou, que vous connaissez sans doute, et que l'auteur a pris la peine de nommer plan et non carte. À droite, un autre exemple limite d'un projet théorique de Rem Koolhaas et de quelques autres, où sans rentrer dans le sens de ce projet manifeste, on peut apercevoir ici une superposition de ce qu'on nommerait une carte et dans la petite bande noire de ce qu'on pourrait nommer plus ou moins des plans. J'ai un peu cherché sur internet une définition précise de la différence entre un plan et une carte et j'avoue n'avoir rien trouvé de vraiment très concluant. Si ce n'est qu'effectivement, il y ait une différence de taille ou d'échelle. Bon, notion hautement subjective là encore. Où commence la cartographie et où commence le plan? J'en ai personnellement aucune idée. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'une cartographie représente, ou du moins qu'est-ce qu'une cartographie peut représenter. Est-ce qu'une cartographie représente l'existant? Bah, pas forcément. Plein d'exemples ici possibles pour illustrer ça. J'ai choisi ici deux visions utopiques, donc par définition qui n'existent pas, celle de l'île d'utopie de Thomas More et celle des cités-jardins de Howard. Voir également un autre exemple que j'adore, celle de la représentation des territoires de Game of Thrones, le livre ou la série, illustrée ici à la manière de Google Maps, histoire de bien brouiller les frontières entre la fiction et le réel. Est-ce qu'une carte est une vue pleine et entière d'un territoire? Eh bien là encore, pas forcément. Que ce soit par erreur, peut-être que dans cette carte à gauche, les Espagnols n'ont pas fait exprès d'oublier leurs voisins portugais qu'ils chérissent et qu'ils adorent. En revanche, dans l'exemple de droite, toujours ces mêmes Espagnols ont volontairement rayé la France de la carte dans un conflit sur la pêche à la crevette entre ces deux pays. Bon, erreur ou trait d'humour satirique, il existe des exemples beaucoup moins drôles et beaucoup plus politiques, que ce soit ici à droite, une carte de Berlin juste après la guerre, pendant la guerre froide, où évidemment il manque toute une partie de la ville de Berlin-Ouest, ou à gauche, une représentation des territoires palestiniens tout mités, où chaque enclave est représentée sous forme d'une île, et où les territoires israéliens sont transformés en mer qui sépare ces îles. Pour finir sur une version plus historique, dans le sens de plus vieux, et surtout plus légère. Ici, une inscription en latin, Hinc sunt dragones, j'espère que je prononce bien, signifiant quelque chose comme Ici sont les dragons. C'était une inscription que l'on marquait au Moyen-Âge sur les cartes des territoires inconnus ou non explorés et où on conseillait ainsi aux gens de ne pas s'y rendre. Bon, d'ailleurs, est-ce qu'une cartographie représente la Terre? Comme on l'a vu sur quasiment toutes les précédentes cartographies, à part peut-être les cartographies des atomes et de l'univers, mais on dit que la cartographie est l'outil des géographes, et des géomètres d'ailleurs aussi, respectivement le géographe, celui qui dessine la Terre, et le géomètre, celui qui la mesure. Donc étymologiquement, est-ce qu'une cartographie représente la Terre? Évidemment, c'est peut-être un mauvais jeu de mots ici, mais la cartographie peut également représenter la mer. Haha. Voir également les étoiles, ici sur cette très belle et très vieille carte chinoise, c'est même a priori la plus vieille carte des étoiles que l'on connaisse, ce qui me paraît un peu étrange à vrai dire. Un autre exemple plus intéressant, on trouvera ici à gauche une carte géologique de la Grèce et des Balkans, qui représente donc la Terre, la géologie. Après celui qui dessine la Terre, celui qui la mesure, on a celui qui l'étudie, le géologue. Et même si le géologue s'occupe lui plutôt de ce qui se passe sous la Terre, mais en revanche, à droite, même si elle ressemble fortement à la première, on a une carte ethnographique. Après celui qui dessine la Terre, on a celui qui dessine les peuples, les tribus, les humains, quoi. Donc on a une représentation non plus de la Terre, mais de ce qui se passe dessus. Et c'est une transition parfaite vers un nouveau chapitre, une nouvelle catégorie, celle de l'information. Donc une carte représente-t-elle une information tangible et visible que l'on peut à la fois toucher et voir? Deux cartes ici qui ne représentent pas seulement les humains, mais ce qu'ils font, ou plutôt ici ce qu'ils sont, avec à gauche
les catégories CSP, les catégories socio-professionnelles de Paris dans les années 1975, et à droite, une représentation avec des symboles, des camemberts, qui représentent cette fois-ci la distribution de l'âge de la population par département. Carte plutôt difficile à lire d'ailleurs, mais soit. Et en parlant de camembert, est-ce qu'une carte donne une information nécessairement importante? Alors là, je suis désolé, j'ai pas vraiment trouvé de carte totalement inintéressante, et c'est un peu pour ça que je fais cette blague sur les camemberts, pour illustrer le fait que toutes les cartes n'ont pas le même intérêt. Mais bon, c'est comme absolument tout, la musique, la littérature, la peinture, bref, absolument tout. Est-ce qu'une carte doit être sérieuse? Bon, la preuve que non, avec ces deux exemples que j'adore. Deux cartes géo-humoristiques. Une blague qui malheureusement ne survit pas à la traduction française, alors j'espère que vous les comprendrez par vous-même. Est-ce qu'une carte représente une information forcément indubitable, qu'on ne peut pas discuter donc? Bon, là encore, les exemples auraient été nombreux, j'ai choisi de rester dans l'humour, avec à gauche une carte qui nous montre tous les pays qui ont été sélectionnés à toutes les Coupes du Monde de foot. Et à droite, une carte plus humoristico-critique, intitulée quelque chose comme N'importe quelle carte de l'Europe. En gros, qu'importe le sujet de la carte que vous prendrez, il y aura toujours de bons résultats dans les zones vertes foncées, des résultats moyens dans les zones jaunes et vertes, et des résultats catastrophiques dans les zones rouges et oranges. Une blague, donc. Est-ce qu'une carte montre qu'une seule information à la fois? Et là, question difficile, encore une fois, que j'ai décidé d'illustrer par une autre carte que j'adore, celle de la représentation des crues du Mississippi à travers le temps. Vous savez, ce fleuve aux États-Unis, Tom Sawyer et compagnie. Donc, pour répondre à la question, oui, cette carte donne plusieurs informations, différentes crues du fleuve à travers le temps, mais non, parce qu'en fait, c'est la même information à différents moments, à différentes périodes de l'année, voire sur plusieurs années différentes. Il s'agit bien ici du même lit, du même fleuve. Mais effectivement, pour répondre à la question, une carte peut représenter plusieurs informations simultanément. Est-ce qu'une carte comporte forcément des informations textuelles sous forme de texte? Ben non. Même si j'ai triché ici, j'ai caché les légendes où se trouvait forcément du texte, mais à gauche, on a une carte du relief et à droite, une carte géologique sans aucun texte. Pareil avec les noms, des noms d'endroits. Dans cet exemple, une carte d'un artiste, Pierre Malfait, intitulée One Way Paris, qui représente toutes les voies de Paris en sens interdit, sans un seul texte ni aucun nom de rue, et qui, pour le coup, ne contient pas de légende. Ici, je n'ai rien caché du tout. Sans texte, ok, c'est possible, mais que avec du texte, est-ce que c'est possible aussi? Bah oui. Ici à gauche, une carte des États-Unis, où le nom donne la forme géographique des différents États. Je suis sûr que vous avez reconnu le pays au premier coup d'œil. Et à droite, un truc un peu spécial, qui est bien une carte, mais une carte d'idées et de concepts. On appelle ça une mind map, donc c'est bien une carte. Si c'est même écrit dans le nom, c'est bien que c'en est une. Ou alors, cet exemple que j'aime assez, une carte de Normandie, où la quasi seule information qu'elle apporte, à part les côtes, les rivières et quelques forêts, ce ne sont que des noms des différentes localités de Normandie. Est-ce qu'une carte apporte une information utile? Encore un exemple que j'adore, celui de Emilio Isgro, un artiste italien dont le travail consiste à cacher, voire supprimer de l'information. Il a commencé à barrer tous les mots dans des livres, un par un, puis a fait quelques œuvres sur la base de cartographie. À noter que la seule information écrite qui reste, c'est sa signature, ici en haut à droite. Quel mégalo. Mais bon, est-ce qu'une carte donne une information tout court? Pour ce genre de questions-pièges, on reste dans le domaine artistique, mais il existe des cartes sans aucune information. Ici à gauche, une carte de Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez le genre de récit fantastique. Ici, dans La Chasse au Snark, je crois, où il y a une carte dont l'espace central, réservé normalement aux informations importantes d'une carte, est totalement vide. Même si on trouve tout de même quelques informations périphériques qui servent quasi exclusivement à nous dire que ici c'est bien une carte vide. Puis à droite, un autre exemple de Robert Smithson, vous savez, ce land artiste qui fait des spirales de cailloux dans des lacs.
Eh bien, il fait également des cartographies, dont celle-ci, qui s'inspire pas mal de l'exemple de gauche. Sans information, ok, mais est-ce qu'une carte donne au moins uniquement des informations géographiques? On a du mal à lâcher les artistes et leur lubie de vouloir tout le temps casser tous les codes, mais ici, s'agit-il d'une carte, pour le coup sans fond géographique? Eh bien, il s'agit d'annotations de déplacements spatiaux, des annotations de chorégraphie, de danse. Est-ce une carte également? Je ne sais toujours pas, mais ça reste assez beau. En tout cas, ça parle d'espace et de déplacement dans l'espace. Ce qui me fait également penser à ça, un autre type de carte de déplacement dans l'espace, mais ici rien à voir avec les danseurs de ballet, c'est une analyse des déplacements et comportements d'enfants autistes par Fernand Deligny, qui, dans son travail d'éducateur spécialisé, a beaucoup utilisé la cartographie pour comprendre le comportement de ces enfants qui parlent pas ou peu. À chaque ligne, un déplacement, à chaque symbole, une action, comme par exemple prendre une assiette sur la table, puisqu'ici il s'agit de la retranscription d'un repas. Enfin, je crois. Nouveau chapitre, celui de la forme de la carte et du message à faire passer. Est-ce qu'une carte doit être complexe? Complexe dans sa forme? De toute évidence, non. Vous aurez reconnu ici à droite, encore une fois, les États-Unis, et à gauche, le monde, évidemment. Est-ce qu'une carte doit être complexe dans le message qu'elle veut apporter? À gauche, une carte de Londres, simple dans sa forme et dans son message. Je suppose que vous avez compris également. Et à droite, une carte plus complexe dans le message, mais tout aussi simple dans le tracé et dans la manière de le réaliser. En gros, trois crayons de couleurs différents. Ici, un exemple de l'architecte hongrois Jona Friedman. Est-ce qu'une carte donne une information compréhensible? De toute évidence, ça dépend à qui elle s'adresse. Par exemple, ici, moi, ne lisant pas le japonais, je suis incapable de décrypter cette carte, ni même de savoir de quoi elle parle. Une carte doit-elle être lisible, ou du moins facilement lisible, facile à lire? De toute évidence, ça dépend du propos et de l'objectif de la carte. Ici, une carte du métro de Tokyo, pour rester au Japon, qui, pourtant dans un alphabet compréhensible pour des Européens, sans caractère japonais chelou, n'en reste pas moins pas très lisible, parce que sans doute trop d'informations. Mais que faire? On ne va pas ici faire figurer un métro sur deux comme un jour de grève à la RATP. Pas possible. Ici, on a besoin de faire figurer toutes les informations du métro. Est-ce qu'une carte doit apporter une information précise? Bah, de toute évidence, non plus. Même si ici, il est facile de se moquer de nos ancêtres, qui n'avaient pas encore inventé les satellites ou les fusées pour les lancer dans l'espace, mais j'aime bien ces deux exemples juxtaposés, notamment pour leur différence de représentation de la Bretagne, qui, dans un cas à gauche, est sans doute un peu surdimensionnée, le cartographe devait sans doute être breton, et dans l'autre cas, à droite, clairement sous-dimensionné, le cartographe devait lui plutôt être normand sans doute. Dans un autre style, et pour arrêter de se moquer des anciens, un exemple très contemporain avec une carte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui reprend pas mal de codes cartographiques, bien sûr, avec même presque un fond de carte quasi juste, mais dont les infos qui la composent sont un peu plus, disons, poétiques et artistiques. Difficile de se repérer sur la ZAD avec cette carte, mais peut-être a-t-elle été faite pour se perdre, justement. Est-ce qu'une carte doit être sérieuse? Sérieuse ou scientifique, on l'a déjà un peu vu, mais oui, on peut utiliser une carte même dans un jeu vidéo. Ludique, quoi. Sur l'objectivité, même si on en a déjà pas mal parlé au début de cette vidéo, ici deux cartes, de deux camps opposés, d'un côté les communistes de l'URSS et de l'autre côté les nazis allemands. Quasi le même fond géographique, alors que le message est quant à lui antagoniste et totalement opposé. Quant à l'objectivité en cartographie, comme partout en histoire, dans le journalisme ou en politique, ça n'existe pas. Même avec ici un fond de carte IGN, le type de carte le plus neutre et précise que l'on peut trouver du territoire français, où les courbes de niveau peuvent être dessinées tous les centimètres presque. Difficile d'en dire que c'est une carte subjective, ou du moins non objective, et pourtant on pourrait leur reprocher, par exemple, de mettre plus en avant les installations humaines comme les routes et les villages, et un peu moins la nature. Ils dessinent presque
maison par maison, ils auraient pu à la place dessiner arbre par arbre, par exemple, non? Et pour finir, dernier chapitre sur le support de ces cartes, le média ou le médium. Est-ce qu'une carte doit être forcément plate? Encore une fois, non. Voici deux exemples plutôt artistiques, encore une fois, où l'on retrouve Smithson à gauche, celui qui faisait des cartes vides comme les Whiz Carol, ou qui dispose des petits cailloux en cercle dans des lacs, et Michel Devigne à droite. Plat, ok, mais sur du papier au moins. Ben non plus. Ici un exemple incongru de Claudio Parmigiani, mais également un autre exemple, pour pas qu'on me dise que j'utilise que des trucs artistiques. Ici, une des plus vieilles cartes du monde, directement gravée dans la roche. On l'appelle le rocher de Bedolina. À gauche, l'original. À droite, une retranscription, une carte de la carte, en quelque sorte. Hashtag mise en abîme. Une carte est alors soit taillée dans la roche, soit dessinée au crayon. Ben non, que dire alors des cartes informatiques, comme Google Maps, évidemment. Je ne m'étends pas là-dessus, vous connaissez sûrement. Taillé dans la pierre, dessiné au crayon ou à l'ordinateur, alors? Bah, pas forcément non plus. Ici, deux autres exemples. À gauche, une carte en épingle et en fil à coudre. Et à droite, un autre exemple que j'adore, des cartes en allumettes. Taillé dans la pierre, dessiné au crayon ou à l'ordinateur, en fil ou en allumettes, alors? Bah, encore pas. Que dire alors de ces deux romans? Est-ce une carte? La carte n'est pas le territoire, certes, mais est-ce que ces deux romans sont des cartographies? Qui pourtant, à ma connaissance, aucun de ces deux romans ne parle du tout de géographie ni même de cartographie. Bon là, stop, on est allé un peu trop loin. Il est temps pour nous de faire une petite pause. On a vu déjà plein de choses sur ce que pouvait être une carte et ce que ne pouvait pas l'être. Il est temps de s'arrêter maintenant sur une tentative de définition de ce qu'est une cartographie. Bon, dans ma propre définition, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas une carte. Mais bon. À partir de tous ces exemples, essayons quand même de définir ce qu'est une cartographie. Donc, pour cette tâche difficile, j'ai essayé de chercher quelques définitions dans des livres ou sur Internet. Et je suis par exemple tombé sur cette définition qui fait notamment une différence entre les cartes descriptives et les cartes explicatives. Bon, définition que j'aime pas trop donc. Je suis donc retourné aux bases, j'ai demandé à Google, puisque Google sait tout, et a priori, sur la cartographie, il ne sait pas grand-chose. Il me dit que la cartographie, c'est faire des cartes. Soit. Et que quand on va voir ce que veut dire une carte, véridique, c'est réalisé sans trucage, je vous jure, il ne parle même pas des cartes géographiques. Bref. Vu que le français n'est pas sa langue maternelle, je le lui demande en anglais. Et là, pour cartographie, bah c'est pareil. Il me dit que c'est l'art de faire des maps. Bon, je me dis alors, je vais voir ce que sont ces maps. Et bah pareil, sauf que là, il sait ce que sont des cartes géographiques. Et puis, je me rappelle qu'en anglais, mapping est également l'art de faire des maps. Donc, des cartes. Mais mapping, c'est également une définition mathématique plus large. C'est plutôt l'art de faire correspondre deux jeux de données. En gros, ça donne ça. À gauche, j'ai un premier jeu de données, appelons-le géo pour la Terre, par exemple, et à droite, un second, appelons-le cartographie. Et c'est pas ici un simple produit en croix ou une simple conversion de nombres. On peut convertir des valeurs, certes, mais on peut également supprimer des valeurs ou en rajouter d'autres. Et puis, avec tous les exemples qu'on vient de voir, on ne peut pas nier que la cartographie est fortement liée à l'information qu'elle véhicule. Alors voilà la définition que je propose. Je sais que je vais sans doute contredire ou du moins fâcher pas mal de monde, les géographes, les cartographes ou les urbanistes, mais c'est une définition assez large et en même temps assez précise qui me plaît bien. Faire une carte, c'est extraire et transposer une réalité dans une autre, en utilisant au passage tous les outils que nous offrent soit la géographie, la géométrie, les mathématiques, la sociologie et les sciences en général, et également les disciplines artistiques ou ce qui a trait à la communication. Et une carte sert à transmettre une information, quelle qu'en soit l'intention originelle de l'auteur. Ça peut être une intention descriptive, analytique ou explicative, et quel qu'en soit le but, un objectif très scientifique, ou très historique, ou simplement touristique, ou critique, ou même juste humoristique, comme on a pu le voir. Et donc, extraire, transposer et transmettre une information, moi, ça me fait beaucoup penser à l'industrie minière. Vous savez, on trouve une mine avec des cailloux intéressants, on commence à creuser.
c'est l'extraction. Puis ces cailloux, on va pas les laisser tels quels, ils sont moches, donc on va les mettre en forme. Ici la transposition. On va les mettre en forme pour qu'ils disent ce qu'on a envie qu'ils disent. On a 3000 ans d'exemples de tailleurs de pierre pour nous montrer que il y a une différence entre une taille gothique et une taille néo-andertalienne, par exemple. Je ne sais même pas s'ils taillaient des pierres, mais bref. Pour au final donner un produit fini qui donne à voir quelque chose, ici un magnifique bijou. Bon voilà, fin de cette première vidéo. Enfin. Ouf. Évidemment, il y a plein de sujets, de thèmes, de notions qu'on n'a pas pu explorer ici. Tout comme la neutralité ou l'objectivité, l'exhaustivité, ça n'existe pas. Je ferai donc certainement, après des apports plus pratiques, un petit tour sur de nouveaux exemples, sous une autre forme certainement. On pourra parler par exemple de géographie et de toutes ses branches, la géographie universelle d'Élisée Reclus et de quelques autres avant lui, de géographie vidalienne, de géographie structurale, de psychogéographie, de géographie radicale, critique ou sociale. Et concernant plutôt les thèmes, on pourra regarder l'apport de la cartographie sur des sujets contemporains comme le climat, la pollution, la montée des eaux, les migrations et les frontières, la nouvelle géopolitique globale, sur les nouveaux rapports mondiaux états-unio-chinois, ou sur l'histoire de l'exploitation et la nouvelle émergence du continent africain. Avant ça, après cette vidéo expérimentale, on va donc passer à une introduction plus conventionnelle, on va dire.